Salut la Society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. Bon, la vérité c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Confiné avec Roti. En toute honnêteté ça me brise un petit peu le cœur, mais bon, il faut bien reprendre une vie normale. Le confinement se termine ce soir, on est dimanche, et lundi on reprend entre guillemets une vie normale. Donc j'espère que vous allez tous aller bien, que vos proches vont bien aller également, et que tout va bien aller. De toute façon on est toujours ensemble, c'est juste Confiné avec Roti qui s'arrête avec le confinement finalement. Mais voilà, du coup je savais pas trop quoi faire comme dernière vidéo, je voulais faire un truc un peu sympa. J'ai vu sur internet, sur Instagram, sur YouTube qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient un petit peu des throwbacks de leurs souvenirs de soirée ou de bons moments avec leurs potes, leur famille, etc. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de clôturer ce format pour être sur une note positive, quoi, que du bonheur, moi me remémorer de bons souvenirs et puis surtout se préparer à revoir mes amis, quoi, il me manque énormément ces puces. Voilà, on va refaire face à la vie normale, je vais mettre des guillemets à chaque fois que je le dis. J'ai besoin de me remémorer ces souvenirs, me rappeler que l'alcool n'est pas de l'eau et qu'il faut faire attention à sa consommation en soirée parce qu'on va tous avoir envie de fêter la fin de ce confinement. Mais s'il vous plaît, juste faites attention, évitez de vous rassembler à 100 000, évitez de faire des conneries, d'être pas malin en fait. Dans ce déconfinement, le corona il est pas parti, donc voilà. C'était juste un petit warning, je vous dis ce que j'ai sur le cœur et on va partir tout de suite avec une vidéo un peu throwback souvenir et je pense que ça va être drôle. Je sais pas encore quelle vidéo je vais vous montrer, je sais pas jusqu'à quel point je vais vous en montrer parce qu'il y a des choses, je sais, qui sont touchy. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Française, française. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire. Le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Alors concrètement, je prends mon portable, à savoir que je me suis fait voler mon portable fin 2017, donc j'ai perdu pas mal de fichiers, super. Et du coup, ce portable-là commence à octobre 2017. Bon, on a de la marge, vous inquiétez pas, il y a des doses. Hein. La première vidéo que je vais vous montrer, elle date de mars 2018. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, vous savez que j'ai fait 2 années d'études au Havre et ma meilleure amie était également au Havre, c'est un peu pour ça qu'on est parti là-bas aussi. Quand moi je suis partie à Paris en 3e année, elle m'a proposé de partir au ski avec l'université du Havre, mais comme ça vraiment du jour au lendemain, et on a fini par partir et c'était trop cool, mais on a passé vraiment les meilleures vacances au ski du monde. Il y a notamment cette vidéo, mais il y en a plusieurs, c'était un séjour de ouf, mais il y a cette vidéo qui me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, parce qu'on a une pote à nous qui s'appelle Ludivine, et il s'avère qu'il était clairement très tard dans la soirée, voilà. Clairement il était 5h du mat. Pour vous faire le topo, on se couchait souvent très tard, on faisait des jeux de société, des soirées, des choses comme ça tous les soirs presque, et le matin on se levait pour aller skier à 9-10h, donc c'était chaud mais c'était tellement bien. En gros bah, on se retrouvait évidemment dans des petits appartements qu'on partageait, donc il me semble que nous on était 5 ou 6 dans notre appart, donc il y avait 2 chambres et le salon, et puis bah clairement ma meilleure amie Lulu et moi on était un peu les 3 qui faisaient la fête tout le temps quoi. Et un soir on est rentré, bon, on avait un petit peu bu et puis on avait envie de manger du pain avec je sais plus quoi dessus. Je ne sais pas pourquoi Ludivine a décidé de lancer les pains de mie à travers la pièce pour les remettre dans la cuisine. C'était un moment extrêmement drôle. Je vous diffuse la vidéo post lancement de sandwich. Ludivine. Allez, je sais pas vous dire. Elle me touche pas le pied, putain. Faut savoir que ce soir-là, je pense qu'on a eu un fou rire pendant environ 1 heure. La moindre chose qui était dite, faite, pensée, c'était le fou rire extrême. Et alors finir sur me touche pas le pied, putain. Alors, cette vidéo, je vous ai déjà parlé plein de fois de Clémence, donc qui est une de mes meilleures amies. Et ce jour-là, on faisait soirée chez moi, mais c'était il y a longtemps parce que c'était dans mon ancien appart. Et on écoutait du Justin Timberlake. Et on ne sait pas pourquoi elle s'est mise à faire cette choré. Yeah.
faut savoir que la pieuvre, c'est devenu son surnom depuis cette soirée-là. Et en fait, très régulièrement, cette choré, elle le refait en soirée. Et c'est devenu vraiment son move signature, quoi. Alors ça, c'était à la fête de la musique 2018. En fait, comme d'hab, j'ai des potes qui sont DJ. Et du coup, tous les ans, à Rouen, on organise une fête de la musique. Pas que à Rouen, d'ailleurs. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde devant la scène. Ce qui faisait que déjà, Clémence et moi, on faisait les vigiles. Je nous ai trouvés très doués, mais vraiment, en fait, on avait installé des barrières, il y avait la scène, il y avait les platines et tout, et du coup, on voulait vraiment éviter qu'avec les mouvements de foule, ça vienne péter les platines ou la scène ou les gens, tout simplement. Et du coup, on tenait les barrières comme ça en dansant, donc on était « Ouais, hola, calme-toi, toi !» Non mais d'ailleurs, ce soir-là, il s'est passé tellement de trucs... La première fois qu'on prenait notre rôle de vigile autant au sérieux avec Clémence, et genre, un moment, c'est pas, il y a un mec complètement saoul qui passe, mais genre, tu vois, il y avait le public, les platines là, et qui passe du public au côté platine, donc ce qui n'était pas autorisé à part pour les gens qui organisaient avec nous, quoi. Et je sais pas, le mec complètement saoul, tu vois, il titube, il tombe un coup à gauche, un coup à droite, donc nous on le voit, on se dit, chaud! Ça c'est pas bon ça. Et genre donc on va le voir gentiment, tu vois, puis on lui dit ouais mec faut que tu sortes nan, nan, nan. Et pas réceptif la puce un peu. Et là mais sortie de nulle part, une nana sort de la foule et lui met une patate dans la gorge. Je n'ai pas compris. Et il s'avère qu'en fait 2 minutes avant, ce même mec, on l'avait vu en train de rouler un patin à une autre fille. Et il s'avère que la fille qui l'a frappée était sa copine, voilà. Donc devant tout le monde, à la fête de la musique et devant sa copine, il a tout simplement roulé un patin à une inconnue. Je n'ai jamais eu autant de force de ma vie, c'est-à-dire que Clémence a réussi à intercepter le mec. Moi j'ai chopé la meuf hystérique et je l'ai refait passer de l'autre côté avec mes petits bras. Je l'ai attrapé par le callback et la fesse. Fou. Côté foule, pareil avec l'autre mec, bon lui il était plutôt facile à lancer I guess parce qu'il était dans un tel état qu'à un moment c'était comme ça quoi. Ça me fait tellement bien de voir ça, vous imaginez même pas. J'ai l'impression d'être prête à affronter la vie. Oh cette vidéo. En gros je crois que je vous en ai déjà parlé mais j'ai ma famille de sang bien sûr et j'ai... une famille qu'on appelle la deuxième famille entre nous. Tous nos parents sont amis et du coup tous les enfants on est devenus amis. Donc c'est une deuxième famille, on a été élevés ensemble, on est nés ensemble dans les mêmes berceaux, etc. Enfin bon, c'est vraiment ma famille quoi. Et du coup quand on a les anniversaires, les mariages, les nanins, on se réunit tous, même juste pour faire un apéro ou des choses comme ça. Enfin on se réunit, sachant qu'on n'habite pas tous au même endroit, donc ça reste des moments qui sont quand même assez occasionnels, mais bon c'est toujours le feu de se voir quoi. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une mère de la deuxième famille, enfin anyway, et ma pote Laura, ma soeur, elle vient me voir puis elle me dit « Oh putain, je crois que j'ai un petit peu trop bu de vin et tout, machin. » Et là, alors, c'est sorti de nulle part, elle s'est levée et il y avait un micro dans la salle des fêtes avec tu pouvais mettre la musique que tu voulais, quoi. Et là, voici ce qui s'est passé. Y'a pas moyen, tcha tcha. Et quand elle a fini la chanson, elle est venue me voir et elle m'a dit « Meuf, je suis pas bien !» C'était un moment d'euphorie comme on en vit très peu finalement. Je crois que c'est une des vidéos les plus drôles de mon monde. Donc ça c'était 14 juillet 2018 et il y en a une qui suit de très près parce que c'était le même soir en fait, mais c'était plus tôt dans la soirée, je sais pas pourquoi elles sont dans le mauvais sens. En fait du coup le 13 juillet c'est l'anniversaire de Geoffrey et du coup tous nos potes de Rouen étaient venus à Paris et à ce moment là Clémence elle travaillait en vente et du coup elle finissait tard, donc elle avait pris un train super tard et elle était arrivée super tard à la soirée et du coup on l'avait attendue à la sortie de l'ascenseur avec un shooter pour qu'elle réajuste son niveau. Regarde. Regarde ce qui t'attend. Ah non, elle a gardé son badge. À la tienne, loulou. Vodka jean, ça pique ou quoi? Mati, bonjour. Sifflard. Ça va et toi? Siffleton. Sifflard, c'est un pote à nous qui s'appelle Damien, mais on l'a toujours appelé Sifflard. Mais pourquoi elle l'appelait Siffleton? J'aurais aucune idée. Le lendemain matin, on en arrive sur des vidéos que je peux pas montrer. Clément, t'as le cul à l'air. T'as le cul à l'air
arrêter de siffler. La meuf adore, elle a enlevé son slip. Alors qu'elle dort à côté d'un pote, je suis morte. Mais j'en ai tellement à vous montrer cette vidéo, elle pourrait durer 40 minutes. Oh, ça je peux pas vous le montrer par contre. Ah non, il y a des trucs par contre, c'est vraiment vraiment chaud. Ah non, cette vidéo m'a toujours tué de rire. Je me suis tapé un fou rire, mais sauf que je m'étais mis en filtre, regardez le résultat. Bon allez, j'en mets une dernière et puis après j'arrête parce que franchement, oh non, là je tombe sur les vidéos avec mes anciens collègues, je vous jure je les aime trop, je suis dégoûtée de plus travailler avec eux putain. Non mais attendez, je fais cette vidéo et je vous montre pas la vidéo la plus iconique de mon répertoire. Pour le travail, on était parti à Cannes l'année dernière et en gros bah, c'était au moment où il y avait toutes les agences de pub et tout, du coup il y avait plein de concerts, bref. Et genre on était sur la plage à un moment donné, puis tu sais on entend la musique au loin, on se dit qu'est-ce que c'est et tout. Et là, on tombe sur ça. Nous nous sommes retrouvés au premier rang d'un concert de Justice. Justice sur la plage à Cannes. Ah, oh, iconic is it? En tout cas, merci, 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 merci énormément de m'avoir suivi sur Confiné avec Roti. Ça a été vraiment trop cool, une trop belle expérience de faire ça. Je voulais dire un gros merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint et qui m'envoient des messages sur Instagram. Je reçois vraiment beaucoup de messages de gens qui me disent que je mériterais d'avoir un petit peu plus d'abonnés, que ce que je fais c'est cool, que mes concepts sont cool, etc. Et franchement, pour ça, je voulais vous dire un gros merci parce que c'est ça qui me donne la force de continuer. Il y a des moments, c'est pas arrivé depuis longtemps, mais il y a des moments où j'ai vraiment des coups de mou en me disant what the point, en fait, à quoi ça sert de continuer alors que j'ai pas forcément tout le temps beaucoup de vues, mais ce genre de message, vous savez même pas à quel point ça me booste et franchement, merci beaucoup. Je sais que j'ai souvent un petit air un peu connasse, un peu peste, mais sachez que ça me touche vraiment et je suis vraiment contente qu'on en soit tous là aujourd'hui. Donc voilà, du coup, confiné avec Roti, c'est fini, je suis un petit peu triste, on va pas se mentir, mais au moins on a fini sur du positif. J'espère que la vidéo vous aura plu. On est encore ensemble pour des mois, peut-être des années-lumière, je ne sais pas. Et surtout, n'hésite pas à nous rejoindre si tu ne fais pas encore partie de la society. Plus on est fou, plus on rit. Et surtout, n'oublie pas, je te dis la bise.